Fallait des ben trop grands câlisses. Ça marche jamais, on peut jamais tourner nous deux ensemble. Hey, je suis excitée! Oh my god! Je suis excitée, c'est quoi de dire? Parce qu'aujourd'hui, on parle de... Sexe! Sexe! Avec toi, j'en reviens pas! C'est ça qu'on parle tant de sexe en plus. Tu trouves? Ben, on a fait les dates, vos pay dates. Ah, c'est vrai, c'est après c'est ça, vrai. Dans mon questionnaire, on a parlé de sexe aussi. Oui, c'est vrai. Ah, oh, c'était tellement gênant ton questionnaire, pour vrai. Je l'ai écouté, puis j'étais comme, oh my god, shame on me, honte, là, honte. Ben non, ben non. Tabarnak, avec tu niaises aussi. Je dis genre, ça serait cool si ma mère m'enverrait des nous, puis tout, là. Non, ma chum, ça serait pas tant cool, là. Ok, mais aujourd'hui, on parle vraiment de sexe, ouais. Genre. Cru, là. Cru. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Yes. À ce point-là. Ouais. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que je disais qu'est-ce que les filles aiment pas au lit. Puis ah là, ouais. Il est donc bien que je fasse la vidéo qu'est-ce que les gars aiment pas au lit. Mais je me sentais un peu inconfortable pour vous dire parce que je me disais, Chris, moi je suis pas un homme, j'ai aucune cause d'idée au fond qu'est-ce que les hommes aiment pas au lit. Non, mais c'est vrai, tu sais. Comme oui, j'ai eu des partenaires sexuels, mais chaque partenaire sexuel, ben moi, ça m'a arrivé peut-être deux fois, là. Mais tu sais, chaque partenaire que j'ai eu aimait des choses différentes. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais faire appel à Alex Abbé, yes. Master pro du sexe, pour nous à savoir qu'est-ce que les hommes hétéros aiment au lit. Au lit, ouais. Fait que t'es-tu prêt? L'affaire ketchup. Je suis très excitée pour elle. Et aussi, je pense que c'est important de dire que je pense que tous les hommes sont différents. Oui, ça, c'est important de le dire. Les femmes qui ne sont pas entreprenantes, qui laissent le mec faire, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est pas tant nice. Ah ouais? J'aime ça une femme c'est quoi le mot? Entrepreneur. Entrepreneur. Mm-hmm. Mais ça dépend à quel point, là. Je pense que c'est 50-50. Ouais, j'aime ouais, ça ouais, qu'elle soit un peu entreprenante, mais pas trop. Dans le sens que je peux. Si c'est juste elle qui lead, de manière, je trouve que c'est fun que les deux puissent leader. Ouais, ben, je présume aussi que c'est le fun des fois des moments où est-ce que la fille lead plus, puis d'autres fois c'est le ouais, plus. Ouais, exact, exact. Je veux dire, si mettons, moi je suis vraiment saoule, j'ai fait juste me coucher à côté de toi. Peut-être juste rien faire dans ce cas-là. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'avoue que c'est le fun quand c'est un peu balancé. Ouais, c'est ça. Quand c'est bien. Pas juste quand c'est tout dans un ou l'autre, mais quand c'est bien balancé, c'est le fun. Ouais, 100%. Me faire mordre en général et me faire graffiner, ça me turn off. Oh, et me ouais. Faire aspirer les couilles. Aspirer les couilles? Est-ce que c'est déjà fait aspirer les couilles? Oh my god! Je sais pas ce qu'il va entendre dire par aspirer les couilles. Ben, comme. Comme ça fait du jus, genre. J'ai jamais fait ça, mais est-ce que je devrais aspirer les couilles? Ben. J'étais pas de mère. Mais mettons, une fille qui te mange les couilles, ça, ouais. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Mais qu'elle t'aspire, c'est sûr que ça doit pas être le fun. Mais je suis contente qu'on en parle de ça parce que je pense qu'il y a quand même des gars qui aiment ça, se faire toucher, ouais. Jouer autour ouais. Des couilles, puis il y en a d'autres qui aiment vraiment pas ça. Pas ça genre. Mais je pense que c'est un peu. Je pense pas qu'il y a un in-between. Je pense que t'aimes ou t'aimes pas. Oui. Parce que, mettons, c'est souvent en chum, on s'en parle. Mm-hmm. Puis j'ai des chums de boys qui adorent, puis j'ai des chums de boys qui détestent. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un ou l'autre. Je pense pas qu'il y a le milieu. Oui, c'est tellement vrai. Ouais. Mais moi aussi, tous les gars que j'ai pognés, c'était soit vraiment j'adore, ouais, ou soit tu me touches pas dans ta matinale. Ouais. Avoue. Ah, c'est très intéressant. Trop jasé. C'est vrai que c'est boring. Avoue. Non, mais je comprends. Moi, c'est quelque chose qui me rend vraiment mal à l'aise. Ouais, moi, ouais. J'ai comme. On peut jaser après, on peut jaser avant, mais mettons pendant. Non, imagine, okay, on fait l'amour, ben tranquille, puis je suis comme, hey, puis toi, Alex, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Oui, hey, méchante belle journée! Attends, on va changer de ouais, non, ça, je suis d'accord. Quand la fille s'oblige à faire des choses qu'elle n'aime pas. Quand la fille, quoi? Quand la fille, elle s'oblige à faire des choses qu'elle n'aime ben pas. Ben non, ça, c'est pas le fun. Ben, mais ça se vraiment ressent. Ouais. Ça se ressent. Ouais, ça aussi. Se ressent. Tu sais, quand la fille est réticente à faire ton position ou juste mm-hmm. un acte, ça se ressent, c'est pas le fun. Je pense que la beauté du sexe, c'est quand les deux ont du plaisir. Ben oui, ben oui, ben oui. Un ou l'autre. Fait que non, ça, c'est. C'est fun d'expérimenter des choses que t'as jamais fait, mais avec un partenaire qui était à l'aise. Exact. Puis si ça tente de faire. Parce que c'est vrai que, mettons, tu sais, moi, exemple, j'ai jamais fait d'anal. Ouais. Ben, tu sais, le live, ben, pourquoi je dis ça? Mais le live, tu me dis, on fait de la nage, j'étais comme, d'où, je suis pas prête. Mais avec un partenaire sexuel que je serais prête, ouais. L'expérience serait différente. Ben oui, exact. Ouais. Mais c'est important cette question-là, je trouve, justement, que ouais. Les deux doivent full. Être à l'aise. Full. Ouais. Que ça soit consentant des deux côtés. Oui, 100%. On dirait jamais assez. Puis de pas, oui, puis de pas vous obliger à faire quelque chose que vous attendez pas. Si t'as pas envie, tu le fais pas, puis ça finit là. Puis c'est à lui comprendre, lui ou elle, whatever. Oui. C'est à la personne de comprendre, puis t'as pas à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Ça, c'est. Et voilà, Alex Labbé for the president. Il y a quelqu'un qui a marqué une pipe râteau. Peux-tu nous en dire plus? Est-ce que c'est ça, une pipe râteau? C'est quand, que, pendant qu'elle suce, ses dents frottent. Oui. Honnêtement, ça fait tellement mal. Ok, fait que c'est pas agréable, on veut pas ça. Zéro. Honnêtement, j'essaie de penser à quelque chose, mais. De pire? Ouais. Okay. Mais tu sais, quelque chose d'un peu semblable, mais ouais. J'ai rien en tête. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est une partie vraiment sensible, le pénis. Ben oui, 100%. Mais là, imagine que t'as les dents d'en haut et les dents d'en bas qui frottent, genre. Ok, parce que le râteau, ça voudrait dire les deux dents. Ouais, ouais. Oh my god. Autant, ben, des fois, c'est juste le haut ou juste le bas, mais quand t'es bien chanceux, c'est haut et puis bas. Quand t'es bien chanceux, là. Ça fait tellement mal, là. Ça m'angoisse un peu, je te dirais. Ça, en plus, des dents, c'est dur, là.
Non, c'est vrai que c'est dur. Okay. Ça veut dire que c'est plus dur que nos os. Non. Je te jure. Hey, vous aurez appris des choses dans mes vidéos YouTube. Ben, bon. On pourra pas dire que je donne pas du contenu pertinent. Hein? C'est-tu vrai? Oui, je te jure. C'est fou, hein? Ça, oui. Ah, des fois, ça peut arriver, par exemple, des accidents. Hein, des fois, oh, t'es comme, fuck, je fais ça. Ouais, tu sais, genre, tranche de vie. Avec une de mes ex, cette année, c'est arrivé qu'elle a juste été vite, mais ça, ouais. C'était pas voulu. Là. Ben oui. Mais ça a tellement fait de mal. Oh mon Dieu, c'est l'affaire plus souffrante. Mon... Mais tu les as pardonnés. Ouais. Ok, bonne nouvelle. J'aurais jamais parlé de plus. C'est pour ça que t'as laissé ton ex. Et moi, je l'ai laissé. Fuck off, les boys. Oh! Un doigt dans le cul par surprise. Mais ça, c'est un peu comme les couilles, je trouve. Encore là, s'il y en a qui regardent, oui. Bien, qui détestent. Oui, ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est comme soit. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Un ou l'autre. Ouais. Moi, j'ai connu, j'ai eu des ex qui aimaient vraiment ça, d'autres qui étaient comme. Hey, mon tabarnak. Si t'oses. Si t'oses, ouais. Full. Et j'ai jamais essayé, en fait. T'as jamais essayé? Jamais essayé. Il y a une de mes ex qui avait voulu essayer, mais sans m'avertir. C'est exactement ça. Je suis restée bête en crise. Ah, mais je comprends. Mais m'avoir parlé, peut-être, ça m'aurait. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'effet de surprise qui est comme malaise. Ouais, comme si comme c'est quelque chose qui t'intéresse, parle-en avant, puis après ouais. Ça, on checkera si moi ça m'intéresse. Mais j'avoue que l'effet de surprise dans au lit. Comme, surprise, surprise! C'était pas tant trippant, mais. C'est pas une belle surprise, tu sais. Mettons, moi, apporte-moi un Coco Kinder. Ça, c'est une belle surprise. Un toit dans le cul, c'est pas une belle surprise. Ça, c'est vraiment un classique qui revient souvent, puis qu'on entend souvent. Une fille qui fait l'étoile. Avoue qu'on l'entend tout le temps. Ouais, c'est... Ben, tu sais, j'imagine au même principe qu'une fille qui dit qu'un gars qui fait l'étoile. Là, ouais, mais ça. À quel point faire l'étoile, genre? Parce que moi, c'est sûr que c'était sur moi, c'est sûr qu'il est comme. Tu sais, je veux bien. Qu'est-ce que tu fais l'étoile? Non, mais je suis pas. Tu fais l'étoile, je suis pas Patrick, genre l'étoile de mer, mais comme, tu sais, on s'entend. Hein. Ben, non, mais je veux dire. Le jugement dans ton regard! Mettons là, que le gars est sur toi, évidemment oui. Que le gars va en faire plus que toi. Non? C'est vrai? Non, non, c'est vrai. Mais oui, oui. Ouais. L'angoisse, c'est ici. Non, non, ça passe. À quel point faire l'étoile? Quand il est juste couché puis qu'il a fait rien. Aucun mouvement, il n'y a rien qui se passe. Ouais, même pas un bruit. Non, exactement. Ouais. Ok. Ça, c'est moche. C'est vraiment. Ben, c'est plat. Ouais. C'est vraiment comme si tu couchais avec un cadavre. C'est non, non, c'est clair. Ok. Ouais. Fait qu'on fait pas l'étoile. Non. On peut-tu faire un carré? Un triangle, ça peut être intéressant. Un losange? Le manque d'initiative ou d'écoute pendant. Du bon sexe vient qu'une bonne communication. Ouais, 100%. Je pense à la base, ça c'est quelque chose de vraiment important. Fait que oui, c'est sûr, un manque de communication, c'est pas le fun parce que vous êtes souvent pas sans une longueur. Ouais, pis tu veux pas non plus avoir un doigt surpris dans le cul. Ça, ça serait un manque de communication pertinent. Mettons que t'as une blonde, mettons que t'as une nouvelle blonde. Pis genre, à te surprendre un soir avec un truc que vous avez jamais essayé. Mettons, je sais pas, vous êtes jamais déguisé, pis là, elle arrive déguisée. Ouais. Est-ce que tu serais comme, ah, même si. Moi, je trouve ça, ouais. Ouais, t'aimes ça, quelqu'un ouais. Qui va prendre les devants, ouais. Pis qui va oser. Faire des choses, même si au final, peut-être que la chose en tant que telle, ça va pas être si cool, mon père. I guess ça va être un running gag. Mais oui, mais je pense que c'est ça aussi qui est fun, c'est un peu l'effet de surprise ouais. Du sexe. Autant, ouais, c'est une, je sais pas, là, t'arrives une soirée, puis que justement, elle est déguisée ou t'es déguisée, ou que t'arrives devant la porte, t'as écrit une niaiserie, puis que ça suit. Elle a fait une charade. Ouais, exact. C'est bizarre, mais c'est une chasse au bout. Tu sais, des trucs comme ça, je trouve, ça vient pimenter le ouais. Sexuel, pis c'est le fun. Ouais, c'est vrai, surtout quand t'es en couple depuis quand même longtemps. Ouais, c'est depuis 2 mois, mettons. Ouais, une fille trop stressée qui n'a pas confiance en elle-même. Ben, ça aussi, ça sent. Hein. Une ouais. Fille qui est trop stressée, pis même si c'est niaiseux, mais quand tu rentres en elle, ça se sent aussi. Ah ouais? Oui, ben, quelqu'un qui est tendu va être très tight, tu sais, mm-hmm. Va être plus. Contrairement à quelqu'un qui est détendu, ça. Ça fait ça... mal, c'est ben difficile oui, des fois, justement, quand t'es stressé de. En fait, qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre la fille plus à l'aise, tu sais? La communication. Je pense que c'est de la clé. Genre, comment tu vas, ma chum? Ça va stresser. Je peux te t'aider. Un, est-ce qu'elle est prête? Tu sais, c'est vraiment stressé. T'es peut-être pas prête. T'as peut-être pas envie tout de suite. Fait que je la pense rassurer que... aussi par rapport ouais, à... bizarre, au moment. Tu sais, que t'as pas, je mettrais pas un doigt. Tu sais. Inquiète-toi pas, ma chum. Ça va pas venir à cadeau dans le cul. Pas ce soir. Quand la fille, elle crie trop. Je pense que ça dépend un peu des gars. Ok, je pense que t'allais dire, je pense que ça dépend des tout dépendant, est-ce qu'elle a un beau cri? Non, moi je trouve ça quand même excitant. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que si t'es sorti par contre sans cri, tu te poses des questions. T'es mais... plus dedans depuis une demi-heure, tu dors, tu t'es endormi là-dessus, mais plus arrêtable. Trop, c'est comme passé, comme on dit. Là. Ben en fait, je pense juste de pas faker. Ouais, mais c'est exact. Ça se sent, quand c'est... la personne en donne plus trop. Que le client demande, mettons. Ah, c'est genre des vidéos que ma mère, elle va tellement pas aimer, genre écouter. C'est vrai. Skip cette question. Diane, écoute pas ma vidéo. Non, ça s'appelle Diane. Ah, ben voilà. Diane, skip cette okay, question. Ok, Diane, écoutez pas nos vidéos, merci. Ben, je suis tellement bien pour elle. On devrait faire des vidéos plus fun, même. À vous, hein? Ouais. On devrait finir en chandelle tantôt. Est-ce qu'elle va faire des chandelles? Oh my god, on fait une compétition de chandelle après Shrodan. Oh.
Après. Ah, ok. Il est prêt, en fait. Oh my god. Quelqu'un qui a dit quelque chose qui me surprend vraiment. Et je ne ferai jamais ça. Quand une fille joue avec son chien pendant qu'on fait l'amour. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Imagine, je suis en train de faire l'amour avec un gars puis je suis en train de jouer avec Paul en même temps. Mais moi, c'est déjà arrivé que le chat d'une de mes ex est venu me licher les couilles pendant qu'on... Les couilles. Ouais. Non, non, non. C'était tellement pas nice, là. C'est angoissant. Hey, ça me rend tellement mal à l'aise, hein, avec les animaux qui nous regardent, mettons. La première fois que j'ai fait l'amour devant Paul, là, hey, j'étais pas bonne pour moi. J'étais vraiment pas bonne. Fait que non, pas d'animaux quand on fait l'amour, s'il vous plaît. Non. Ben pas quand on fait l'amour, mais quand on fait l'amour. Ouais, ouais, 100%. Ouais. Hell to the no, no! Oh. Mon chum dit qu'il aime pas quand je m'endors pendant qu'il me mange. C'est arrivé une fois. Je comprends pas. C'est sûr qu'il aime pas ça. Non, mais comment tu peux t'endormir pendant que tu vis le plus beau moment de ta vie, genre? Ça doit pas être le plus beau moment, ça. Ouais, dans le fond, le gars, il devrait te poser des questions. Ouais. Peut-être que t'es pas si bon que ça. Quand la fille pense me faire plaisir en skippant les préliminaires, what do you think d'avoir des préliminaires? Ben, je pense confortable. Ben oui. Je pense que c'est la base, quand même. C'est fun, les préliminaires. Un peu, oui. Mais je suis contente que tu, qu'un homme dise que c'est fun, les préliminaires. C'est vrai, non, mais c'est vrai que les filles ont tendance à penser que les gars veulent juste comme bang, 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 vite, 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 puis comme. Mais non, tu sais. Mais non, c'est important d'entendre le bang, 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 vite, vite, vite. Bon, fait que là, on est-tu rendu à la compétition extrême de chandelle? Je me demandais quelle compétition c'est en fait. La gang, on va finir la vidéo sur une chandelle. Ben, on va essayer. Moi, je... Non, pas sûr que je vais réussir. Hey, c'est pas agréable faire des chandelles, Chris. Attends, t'es en crise de brise. Oh! Chris, quand même! Si vous avez aimé la vidéo, ben... Like, subscribe. Subscribe. Abonne-toi. Puis votez pour la plus belle chandelle. Ah oui. Honnêtement, je suis meilleure pour faire des chandelles dans l'eau. Ben oui, c'est ça. On va te faire une compétition de chandelles dans l'eau. C'est sûr, il y a juste tes pieds qui sortent. On fait trois quarts du corps qui sortent. C'est assez. Ok, bye la gang. Peace.